Bon bah alors du coup je me détends, hein. Je vous ai parlé dans Plague Tale d'Abzu, de Journey. Moi ça faisait partie voilà de la comparaison avec laquelle je comparais le gameplay atroce en fait de Plague Tale. Et je disais que pour moi je préfère jouer à Journey ou à Abzu où là on est dans la contemplation. On a des petites énigmes faciles, un gameplay simple. Et là c'est ce qu'on va voir tout de suite dans deux jeux indé en 20 minutes. Donc c'est absolument fabuleux. Alors, Abzu, c'est quoi le concept? C'est simple. Tu n'as pas de scénar. Hein. C'est très. Au début, t'es largué, t'es comme ça, t'as un petit bonhomme, hein, plongeur. Tu sais pas qui c'est, tu sais pas. Voilà, c'est très mystérieux. On est vraiment dans une journée sous l'eau. Là où c'est quand même assez splendide. Hein. Donc là, on a quand même la gestion d'un banc de poissons qui donnerait vraiment des leçons à Plague Tale sur la gestion des rats. Alors c'est vrai que c'est pas la même chose, mais enfin quand même, c'est quand même la grande classe, Abzu. Là, t'as une sorte de mérou ou je ne sais quoi. Alors ça, comme dans Journey, c'est très proche, hein, comme dans Journey, ça commence calme. Et puis après, si tu veux, t'as quand même des trucs beaucoup plus sombres. Hein. Voilà, donc là tu peux monter sur certains animaux, donc c'est très agréable. Hein. C'est très agréable, donc tu peux nager comme si c'était toi. Et tu vois, il te donne le nom, le Goliath Groupier apparemment. Ouais, si j'ai bien lu. Goliath Groupier. Alors, faut s'y faire, hein, au fait d'appuyer sur X de temps en temps comme ça pour nager, c'est un peu space. Voilà, donc tu vas découvrir des endroits comme ça. Parce que ça c'est un coup à prendre, hein, le gameplay sous l'eau. Voilà. Donc tu vois, rien à voir, hein. Enfin le jeu c'est que sous l'eau, hein. Et en fait c'est fantastique, parce que enfin, je sais pas, faut quand même être couillu pour proposer un jeu comme ça. Tiens, regarde en fait, voilà, pour interagir, voilà, ça y est, on y arrive, ça fait longtemps que j'ai pas retouché. Donc tu refais éclore, bon là en l'occurrence toi c'est des tortues, c'est splendide, hein. Donc là j'interagis avec carré. Appuyez sur la touche pavé tactile pour méditer. Donc je médite. Et là c'est formidable. Là c'est formidable, là tu regardes les espèces. Là c'est la détente, hein, après une putain de journée de boulot. Donc le mérou Goliath, c'est celui qui m'a aidé à, tu vois, venir ici. Le fanfre noir, hein, il a un nom marrant lui. Non mais vraiment, tu vois, en plus c'est des vraies espèces, c'est super sympa. Chirurgien jaune. Non mais c'est un truc de dingue. C'est un truc, ils ont fait un travail de passionné. Donc tu vas voir très vite le principe. Donc là j'ai encore un truc avec lequel interagir. Donc, tu vois, c'est le premier objet que tu trouves, c'est ton compagnon, quoi. Donc c'est très sympa, donc t'es pas seul, tu vois, dans ton voyage. Tu trouves cette petite caméra, tu vois, c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup la manière dont ils l'ont faite. Ah d'accord, donc je peux bouger. Donc ok, et on va se diriger vers cette espèce de structure, tu vois, avec laquelle on va interagir. Donc tu as le symbole de la petite caméra, tu vois, qui t'aide, le petit robot, à dézinguer ce machin, tu vois. Donc voilà, vraiment premier passage, vraiment tuto. Hein. Là, on est vraiment dans un truc tutoriel. Hein. Voilà. Mais après, c'est... Ah, regarde ça comme c'est beau. Putain de requin, c'est magnifique, hein. Franchement, moi, j'en ai vu en Nouvelle-Calédonie, ça met un peu la pression quand même, hein. Ça impose le respect. Hein. Dire... Tu sens que t'es chez lui, quoi. T'es pas chez toi. Hein. De toute façon, l'homme a trop investi leur habitat, donc quoi qu'il arrive, il te déglingue. Hein. Voilà. Mais il y a tellement d'espèces que les autres, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Enfin, il peut y avoir des accidents quand même, hein. Faut pas déconner. Enfin, bref. Moi, j'aime pas trop ça. Hein. Franchement, l'élément aquatique, c'est pas trop. Sur un bateau, ok, mais. Ouais, non, là. Parmi des bestias comme ça, tu vois, non. Non, pas trop, non. Parce que tu peux pas courir, quoi, tu vois, tu peux rien faire. Donc ça me... Tu peux pas mettre une droite à un éléphant ou un tigre non plus, tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, psychologiquement, tu dis, bon, si je me grimpe dans un arbre, il y a moyen, quoi, et encore. Mais là, non. Là, c'est mort, t'es dans l'eau, c'est fini, quoi. Alors là, t'as pas de skill, mais... C'est pour ça que je te parlais de Plague Tale, parce que le truc, ça coûte super cher et t'as pas de skill en fait, c'est un couloir avec des QTE et ça me gave, injouable et tout. Là c'est jouable, hein, quand même, c'est lent, t'as pas de skill mais c'est prévu. C'est un jeu indé, quoi, tu vois, donc y a pas de problème, c'est ce qu'on t'a vendu. Et c'est très bien. Donc on va passer dans ce truc là, tu vas voir. Tu vois la qualité,
Je m'en rappelle. Oh là là, c'est. Là, c'est quelque chose, quoi. Et je crois qu'il est sorti avant le film L'Odyssée de Pi. Hein. Donc l'Odyssée de Pi, je sais pas si tu te rappelles si t'as vu le film, les scènes nocturnes et tout, enfin c'est un truc de grand malade quoi. Donc là tu as si tu veux tu vois, un rappel architectural façon Méduse, façon le film Abyss. Non mais la musique, enfin il y a tout quoi, il y a tout. Donc là t'as des espèces de. C'est quoi des trilobites, non, des machins, tu vois, préhistoriques et tout. Non, ah mais voilà R2! Ah mais oui, mais moi je me fais chier! Oh là là, voilà, tu vois, je me disais, mais putain, c'est lent. Voilà, mais je me disais bien, dans mes souvenirs, c'était beaucoup moins lent que ça. Bon, bah voilà, alors R2, hein, voilà, il faut savoir R2, ça te permet quand même d'évoluer sous l'eau, parce qu'ils te disent plonger. Mais en fait, ça te permet d'évoluer sous l'eau, et quand tu veux donner un petit coup d'accélérateur, tu vois, t'appuies sur X. Voilà. Parce que bon, on n'est pas dans GTA, appuyer sur X comme un mongol pendant 30 ans. Donc regarde les raies Manta, regarde la taille du truc. Non, enfin, t'en prends plein la bougie, quoi. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Au début, les machins poétiques indépendants comme ça me pétait les couilles, clairement. Et en fin de compte, putain, tu rentres dedans et ouais. Non, 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 là, tu valides. Non, tu valides. Quand des mecs ont fait un travail comme ça, et des femmes, ont fait un travail de cette qualité, et que tu ne peux pas t'empêcher d'aller jusqu'au bout, et qu'au bout, quand t'arrives, tu vois, oh, tu dis, ah ouais. Ok, parce que journée, bon, sans te spoiler, la fin, si tu l'as pas fait, journée, tu peux être déçu. Voilà, tu peux être déçu, ça reste malgré tout un jeu splendide, donc c'est cool, regarde, au niveau gameplay, ça y est, je vais plus vite là. Là, je suis bien parce que j'ai mon R2 enfoncé, très agréable. La musique, elle est absolument dingue. Elle est absolument dingue. Tiens, regarde, c'est génial parce qu'on va. Je me rappelais plus de ce truc, qu'on avait un peu d'architecture aussi. Pas envie de louper, tu vois ce qui se passe. Voilà! Oh putain, tu vois? Aïe aïe aïe, donc là, merde quoi. Tu vois, le petit robot, bah, il s'est fait croquer et je te promets que ça te fout une petite pression, hein. Je te promets. Ah là là, regarde, regarde, on est encore dans une scène d'accélération avec les thons! Je te parlais des thons, mais regarde les Lascars, ce que c'est les thons! Hein, quand tu le vois dans ta putain de conserve, tu te doutes pas que c'est un roi de. C'est un des rois de l'océan, le thon, quoi. Merde, c'est un putain de point sky qui a de la gueule. Hein, de pas tout explorer, mais ça fait partie du game. Oh là là, les orques. J'avais même oublié qu'il y avait les orques. Alors ça, c'est très impressionnant, les orques. Hein. Faut savoir que les orques, ils se laissent... ils n'ont pas peur. C'est un animal qui ne connaît pas la peur. Hein, donc, il n'y a rien qui peut les tester. Dire, même les requins blancs, tout ça, ils ont peur de rien, les orques, si tu veux. Donc, tu vois, c'est pas... Hein, tu vas regarder requin marteau, les espadons, il y a tout le monde, il y a tout le monde, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux ce jeu. Regarde-moi ça, regarde. Ok? T'as compris? Voilà. Et le jeu, c'est pas tout le temps ça. C'est pas tout le temps. Tu dois aller vers l'avant. De temps en temps, t'as des QTE, tu poses ta manette et puis tu vas. Non. T'as vu? Là, on a eu une scène putain de grisante. On arrive dans un putain de truc super sombre, requin océanique. Ce qui signifie que il paraît pas impressionnant comme ça. Hein. Mais en fait, il traîne en bande. Et en fait, bah, il est plutôt en surface, contrairement au grand requin blanc. Et en fin de compte, c'est eux qui te déglinguent quand quand ton avion, bon bah il. Je sais pas, tu vois, ton avion il est en galère, tu sautes en parachute ou tu. Voilà, t'atterris comme une merde et t'es dans un radeau. Bah c'est eux qui te tournent autour en fait. Voilà. Bon, s'ils ont à bouffer, il n'y a pas trop de problème, hein, mais c'est fascinant, quoi. C'est fascinant. Bon, alors, c'est très compliqué pour moi, là, comme dans notre journée, c'était très compliqué aussi, de faire une vidéo, si tu veux, qui tient en 10 minutes sur Abzu et en 10 minutes sur le jeu que je vais te présenter après, qui est Limbo, qui est génial, hein, dans un autre style. Mais je crois que je vais essayer de me tenir au montage à 10 minutes, tu vois. Et que je vais me lancer dans une série Abzu parce que quand j'y rejoue, je me dis mais c'est pas possible, mais achetez ce jeu, mais même s'il est un peu vieux, mais achetez-le, allez direct sur le PlayStation Store, allez direct sur Steam si vous êtes sur PC, allez-y quoi, donnez votre argent à ces gens-là, mais c'est des gens qui fabriquent du bonheur et de l'intelligence. Parce que voilà, alors c'est que ça, hein, t'appuies sur carré. Et t'interagis, c'est tout. Mais il faut trouver, faut suivre les chaînes
Il faut trouver, aller trouver la chaîne et tirer dessus. Tu vois, voilà. Mais t'as dit faut. Voilà, donc regarde. Toi, t'as le truc de hiéroglyphe et tout. Et voilà. Et voilà. Et t'as une sorte de. Voilà. T'as une sorte d'énergie de fluide, on va dire. Bon, bah, qui fait penser aussi à de la flotte. Alors, si t'aimes pas la flotte, tu joues pas à Abzu, hein. C'est pas la peine. Hein. Là, c'est mort. Là, c'est mort. Bon, allez, on va essayer de se faire une dernière phase. Parce que sinon, je vais pas arrêter. Je vais te faire un gameplay qui va durer 2 heures. Hein, donc là. Attends, là, j'appuie sur L2. Mais du coup, je peux pas l'accrocher. Trop balèze. Trop balèze. Toi, tu boxes pas dans la même catégorie. Il y a son bébé en dessous. T'as vu? C'est son enfant en dessous. C'est pas magnifique, ça? Regarde ça. Regarde, c'est pas beau. T'as toute la tribu, là. T'as toute la tribu, mais je crois que c'est pas les deux. Je crois pas que c'est les chalots. Regarde, elle bouffe. Ah, voilà. Là, c'est dédicace aux vegans, tu vois. Parce que... Ah, voilà. Tu crois que l'autre espèce, hein, qui sont là pour le coup, peut-être des chalots, je crois. Hein. Je vais pas me bourrer. Oh là là, mais c'est un putain de balai, quoi. Mais t'es... Oh putain, mais regarde! Oh là là! Là là, regarde ça! Le contact visuel! Mais comment tu peux transmettre autant d'émotions avec des pixels et avec des polygones? Mais c'est beau! C'est plus que beau! C'est extraordinaire! Extraordinaire! Oh là là, mais regarde-moi ça! On va voir, hein, je le fais. Hein. Voilà, donc là, ça te met un shot. Bon. Ça, tu vois, ça te fait du mal, mais t'as pas de game over. Hein. Je vais te laisser sur cette impression un peu mystérieuse, et ça nous fait une belle transition pour Limbo, parce que Limbo est beaucoup plus sombre. Hein. Donc voilà, on part sur Limbo. Et... Bon, on revient sur la terre ferme avec Limbo, qui est très connu. Hein. Ça fait quelques années qu'il est sorti, mais bon, moi, enfin, j'adore. C'est un jeu qui m'a laissé une empreinte indélébile. Alors regarde, tu vois quelque chose là? Regarde. Je vais appuyer sur mon joystick de gauche. Hein. Alors c'est sur X. J'ai appuyé sur X. T'as vu, les yeux du garçon s'ouvrent. Hein. Et voilà, il se réveille, il se lève. Hein, donc on ne sait pas ce qu'on branle ici et tout, mais c'est... Alors, tu vas voir pourquoi j'aime Limbo. Dans toute ma série de ce que tu trouveras sur la playlist... deux jeux indés en 20 minutes. Bon, grosso modo, je te mets un truc plutôt joyeux, puis un truc bien hardcore, quoi. Et moi, je trouve que Limbo, regarde, je trouve que Limbo, sous ses dehors de petits platformers, voilà ce que j'aime dans Limbo. J'ai pas fait gaffe, c'était normal. Je suis mort. C'est un die and retry. T'as compris? Tu vois le truc? Donc je peux sauter avec X, d'accord? Donc là, on va glisser et donc il faut sauter. On est dans le pur apprentissage par l'erreur. Et en plus, c'est drôle, mais il faut avoir du monde noir, hein, parce que tu tues un enfant! Enfin, c'est horrible! C'est fait pour que tu utilises le gamin, la vie du gamin, pour trouver la réponse à l'énigme, quoi, pour passer. Et c'est d'une perversion absolument délicieuse. C'est extrêmement violent, en fait. Sous des dehors comme ça, j'allais dire mignon. Bon, on a vu plus mignon, mais là, tu vois, par exemple, je me suis un peu fait baiser la gueule. Ah, voilà. Donc là, tu vois, je me rappelais plus qu'on pouvait tirer le bateau. Tu vois, et le jeu ne te dit rien. Et c'est génial. C'est génial. C'est un jeu qui t'apprend à réfléchir par toi-même. Et t'as zéro musique, hein. C'est fabuleux. On est dans l'opposé total d'Abzu. Hein. Tu vois, c'est pour ça, c'est cool. Hein. C'est un peu le hasard, hein, que j'ai collé ces deux-là. On est totalement à l'opposé. Regarde. Tu fais pas gaffe, tu crois que... T'as vu? Voilà. Moi, je le savais parce que je connais un peu le jeu. Fait que c'est fait éclater par des putains de pieds jaloux. Pourquoi? Parce que le jeu t'attire les yeux avec des petits papillons. Hein, tu crois que c'est de l'herbe en bas. Et tu te prends des pieds jaloux. D'accord. T'as vu? Il tend ses mains. T'as vu un peu? Regarde. Je m'approche. Et il tend ses mains pour m'indiquer. Eh mais c'est du grand art. Je suis désolé. C'est du grand art. Là où aujourd'hui, t'as tous les jeux voilà, qui t'expliquent tout, avec des couleurs partout, des trucs. Regarde l'écran. Est-ce que tu vois un seul symbole de ma vie, d'une mini-map, tu vois? Ou d'un quelconque compteur de vitesse, ou de je ne sais. Non, t'as pas de HUD, t'as rien. Et regarde, t'as un putain de cadavre en décomposition. Ça, mon pote, ça c'est un putain de jeu. J'adore ça, quoi. Regarde. Là, autre énigme. Pas de problème. Hein. Tu vois? Voilà, donc là,
ça a bouffé l'espèce de cadavre en décomposition qui te permet d'aller plus haut. Non mais c'est ouf, c'est ouf. Et chaque étape est différente. Ouais, t'as les mouches et tout. Non mais c'est ce jeu, je te dis que ce jeu est malsain. Il est dangereux. C'est ta santé mentale et en même temps c'est un putain de plaisir. C'est un plaisir. C'est comme quand je regarde, tu vois, les films de Pascal Augier, Martyr ou Ghostland. Bah putain, c'est malsain, mais c'est un putain de plaisir quoi. C'est génial, c'est génial. Donc là il y a un piège à loup là-haut. Ok. Donc on va arriver à une des premières scènes. Regarde-moi ça. Tu vois? Voilà. Donc je vais attirer sa patte. Voilà. Voilà. Et là on va. Ah, t'as entendu? Bruit de métal. Tu vois, faut le mettre bien. Hop. Là, tu vois, là je l'ai mal mis. Donc c'est cool, hein. C'est cool parce que t'as un timing, mais c'est au poil de cul, c'est génial. Voilà. Chier. Là tu t'es fait niquer une patte. Tu vois, donc là ça se recharge. Heureusement que j'ai pas marché dedans. Hein, tu vois, tu la mets là. Vas-y. Voilà. Une fois que t'as compris. Ah, j'allais te dire, une fois que t'as compris, y'a pas de problème. C'est easy, mais non. T'avais la surprise. La surprise du chef. Ah, j'adore ce jeu. Franchement, c'est génial. Voilà. Voilà, donc le piège, il est... c'est bon, je peux pas tomber dedans. Regarde l'araignée. Elle se casse, regarde. C'est horrible. Donc regarde. Eh, attends, bah là, c'est atroce, c'est un enfant. C'est un enfant, putain. Je veux dire, tu vois jamais ça, mais même dans tous les films d'horreur, même dans tous les films de genre, les enfants, ils sont souvent préservés. Moi, j'ai toujours une question, tu vois, film de zombies, bon, j'ai tous vu. Pourquoi il n'y a pas d'enfants zombies? Tu vois, merde, à un moment donné, pourquoi il n'y a pas de bébés zombies? Si, le seul qui a fait ça, c'est Peter Jackson, tu vois, dans Braindead. Mais bon, voilà, c'est tellement monstrueux comme enfant que tu n'y crois pas. C'est plus pour le fun. Donc là, on va essayer de sauter parce qu'on s'est transformé en garde-manger, tu vois. Donc on se débat comme une merde. Tu vois, regarde, on saute, on se croirait dans Worms. Mais c'est extraordinairement malsain. Et grâce aux branches, ça te retire le... Non mais attends, mais c'est génial. Ça te retire le cocon. Hein, il te reste une petite... t'as vu? Eh, franchement, moi ça me fait marrer. C'est d'une perversion. Il te... Regarde. Tu trouves un enfant, mais il est mort! Regarde ça! Mais c'est horrible! J'adore! Mais tu te rends compte de la perversion! On dirige des gosses, et là, non, quoi, non! Il est même pas vivant, c'est mort! Oublie! Oh! Pour moi, ça, c'est pas pour les enfants, c'est clair, Limbo, c'est niette. C'est 10 fois plus choquant que de jouer à GTA, quoi, clairement. Mais clairement, hein, je te le dis tout de go. Hein, voilà. Donc là, il y a un petit peu de skill, tu vois. Donc c'est cool. Oh, bordel de merde. Donc là, j'ai sauté. Ok. Oh putain, j'ai eu le bon réflexe. Quand je te dis... Oh, regarde, il y a encore les pics. J'aurais pu crever. Quand je te dis... Hein, on n'est pas juste dans un jeu de plateforme. Rien à voir. Oublie. Entre le survival horror, entre le die and retry et le fun. Oh regarde, c'est une araignée mais elle est mécanique, c'est bizarre. Attends, t'as vu? C'est bizarre, ça je pense pas que ça puisse me tuer. Non regarde, ça me tue pas. Ah c'est toi fils de pute. Ah bah finalement il y a quelqu'un de vivant, t'as vu? Sale bâtard, bah tu t'amuses à me faire peur comme ça. Voilà, un pneu enflammé. Oh merde. Robert. Non. Ouais, on est dans le film Robert, le pneu qui tue des gens, putain. Merde. Aïe. Ouais, ok, j'ai compris. Ok, d'accord. Yeah. Saute. D'accord, donc il tombe dans l'eau, il s'éteint, et t'en as pas... Normalement, t'en as pas 36, hein, des pneus, hein. C'est pas comme dans les autres jeux. Tu vois, voilà. On n'est pas dans un jeu de plateforme, donc ça, je peux sauter, y a pas de problème. Regarde, c'est encore l'autre fils de pute, là, t'as vu? C'est les enfants qui essaient de buter d'autres enfants. Tu sais, ça te pose l'ambiance, quoi, déjà. Hein, on est vraiment le seigneur des mouches, quoi. Enfin, vraiment, on est là-dedans, quoi. On est vraiment...
Hein, la guerre des boutons, tu peux être habillé à côté, quoi. C'est vraiment, c'est hardcore, quoi. Là, il y a un piège qui va me tomber dessus. Ah, lui, il est gros. Si tu fais petit gros. Oh, toi, tu m'as préparé un comité d'accueil, espèce d'enculé. Regarde-moi ça. Ah, putain! Voilà. Oh! Je vais pas trop te spoiler les énigmes. Et là, faut que j'ai. Ah, faut que je fasse gauche-droite, mais c'est extraordinaire. Oh, putain, j'ai oublié celui-là! Donc là, je peux pas l'éviter en sautant, je peux m'accrocher au rebord, a priori. Là, je peux. Je peux mourir, effectivement. Non, mais. Ah ouais, donc des fois tu vois, si tu fais pas attention, tu vois, tu confonds le décor avec les. Ah regarde, enculé de sa race, il remonte la corde. C'est vicieux ce jeu, c'est vicieux, j'adore. Voilà, donc là on va prendre notre élan. C'est au poil de cul, hein, mais c'est excellent, moi j'adore. Hein. Donc là je maintiens tout simplement, voilà, vers l'avant. C'est tout. Tu vois, faut pas chercher compliqué, des fois. Voilà. Oh bordel. Donc là, ok. Donc là, la pierre. Donc là, ah. Bon, je pense. Ah, tu le tarasses. Oh yes. Mais regarde cette scène. Bon, c'est sur cette scène qu'on va finir, parce que sinon, pareil qu'Abzu, je vais finir la soirée dessus. Je vais finir ce jeu et j'adore ce jeu, il est extraordinaire. Donc, écoute, Limbo, franchement, mais si tu veux encourager des gens qui font des jeux de qualité, mais putain, mais vas-y quoi, putain, mais mérite ton argent. Mais vous, mais c'est nous qui avons le pouvoir, les joueurs, on est des consommateurs, on a le pouvoir, mais même dans ta vie de tous les jours. Tu vois, te plains pas qu'il y ait trop de gens sur les réseaux sociaux, qu'il y ait trop de magouilles et tout, n'y va pas. Tu vois, n'achète pas un iPhone, t'as pas envie que ton argent aille à Apple, quoi, point. C'est tout, tu as le pouvoir. Tu vois, arrête de défiler dans la rue alors que tout le monde s'en branle, tu as le pouvoir, il est dans ton porte-monnaie, il est dans tes poches. Tu vois, le capitalisme, c'est la démocratie par le portefeuille, je te le dis clairement. Voilà, ce que tu achètes, ça définit qui tu es, ça définit la société, parce que tout le monde fait comme toi. Eh oui, c'est comme ça. Comme ça la vie. Bon, du coup, je te laisse sur ce moment de suspense. Regarde. Elle est pas morte cette pute. Regarde ça. Bon, allez, je te laisse. Salut, connard.